Il y avait comme une petite ambiance du Vélodrome lors de la qualification de Marseille contre le PSG au tour précédent. L'Olympique de Marseille se déplace au Mans dans une ambiance décuplée au stade Marie-Marvin. Le Mans a fait les choses en grand pour tenter de réaliser l'exploit de ses huitièmes de finale de la Coupe Gambardella. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FFF TV. Bienvenue au Mans, les Sartois accueillent Marseille, plus de 8000 spectateurs. Affiche il y a quelques années à une affiche de Ligue 1 dans une ambiance équivalente à celle de la Ligue 2. Le programme de ces huitièmes de finale avec une affiche était hier la victoire et la qualification du Stade de Reims face à Épernay-Champagne. Cette rencontre cet après-midi avec donc dans quelques instants Le Mans face à l'Olympique de Marseille, une affiche de rêve, et puis tout un magnifique programme encore tout au reste de l'après-midi avec trois affiches sur FFF TV ce week-end, avec pour dernière affiche le FC Metz contre le FC Lorient. Les compositions d'équipe sont quasiment équivalentes à celles proposées lors du tour précédent, lors des 16e de finale, avec un changement respectif de chaque côté proposé par Alexis Percheron ou Christian Braconi, avec le retour d'un titulaire indiscutable en défense sur les côtés de Noah Boissé, Marseillais dans le cœur, qui remplace Yannick Ebala. Sinon la composition reste exactement la même, avec dans les buts Mezret en défense, Mathieu Mona, Cormier, Domingos au milieu de terrain, Tesson, Legrou, et en attaque Mejri, Bernardo, Tsarak. La composition de l'Olympique de Marseille proposée par Christian Braconi, avec un dispositif tactique que l'on devrait voir en 4-2-3-1. Comme pour Le Mans, un seul changement avec sur la pelouse Kenyal Abdallah en lieu et place de Kylian Bezaaf. Sinon c'est exactement la même équipe que celle qui avait affronté le Paris Saint-Germain. Aboubakar Dosso dans les buts, Dobenfeld, Doubal, Trigano, Urobangna, Selami, Lafont, Corbon, Sternal et Bakola. Attention, parce que devant ce sera forcément quelque chose d'impressionnant avec Sternal et Bakola, buteur redoutable, buteur lors déjà de leur tour précédent, notamment en 16e de finale contre Marseille ou contre Toulon en 32e. C'est aussi le moment de fêter un anniversaire, ce sont les 20 ans de la seule victoire en Coupe Gambardella du Mans. C'était en 2004, une victoire contre Nîmes à l'époque. Et donc coup d'envoi fictif avec la présence de nombreux joueurs qui étaient présents dans cet effectif, avec notamment Damien Bollini qui est l'actuel entraîneur de l'équipe féminine, Mathieu Coutadeur, Thibaut Ferrand ou encore Yannick Yanga. Voilà, tous ces hommes sont dans ce club du Mans et sont donc présents pour fêter peut-être une qualification en quart de finale cet après-midi. Le Mans affronte l'OM.
C'est le rendez-vous d'une vie, le rendez-vous qu'aucun joueur ne souhaite manquer cet après-midi au stade Marie-Marvin. Le Mans affronte Marseille. Le Mans s'est préparé comme jamais toute la semaine pour être au niveau, prêt pour ce rendez-vous mythique face au leader du championnat national U19. Le Mans veut créer l'exploit, le Mans ne veut pas déjouer, le Mans veut prouver qu'il est une équipe capable de se hisser en quart de finale de cette Coupe Gambardella. La première possession pour les Sartois. On va découvrir évidemment tous ces joueurs si vous ne les connaissez pas. Des joueurs de grand talent à 90% de la région dans cet effectif. On s'appuie sur une base, sur le cru de cette équipe du Mans et de ses environs. Équipe travailleuse, équipe qui s'entend bien. Bonne atmosphère parmi ces joueurs. Allez, première offensive peut-être. Pour les Olympiens, l'Olympique de Marseille, on l'a dit, leader de leur groupe. Une fois vainqueur, l'Olympique de Marseille, comme Le Mans de la Coupe Gambardella. Et ça remonte il y a un certain nombre d'années maintenant. C'était en 1979 contre Lens. Et ils espèrent, pourquoi pas, revivre une victoire en Coupe Gambardella. Et pourquoi pas cette saison, parce qu'ils ont des joueurs de grand talent. Egmen Sarac qui parvient à remonter le ballon, essayer de trouver dans la profondeur Ayoub Mejri, mais bien pris par son adversaire direct. On l'a dit, on a parlé de l'ambiance, 8000 spectateurs plus, c'est vraiment un succès grandissant pour cette affiche de Coupe Gambardella. Le Mans a tout fait, le club, pour pouvoir accueillir cette rencontre dans le grand stade, le stade Marie-Marvin. Stade qui a accueilli de nombreuses affiches de Ligue 1 et de Ligue 2. Et donc le public a répondu présent. Et pour Marseille, c'est également une découverte, même si Marseille, par le passé, a déjà réalisé des compétitions, notamment du côté de l'Espagne, à Tenerife, dans des tournois de préparation, où ils avaient affronté le Real Madrid dans des conditions entre guillemets hostiles. Mais dans ces conditions-là, avec autant de spectateurs au bord de la pelouse, c'est une première également pour ces joueurs olympiens, les joueurs de Christian Braconi, qui vont devoir également gérer cet élément. Et dans les deux camps, hein, que ce soit Alexis Percheron ou Christian Braconi, on a décidé tous les deux d'aborder évidemment ce sujet, parce que ce n'est pas un sujet à éviter, bien au contraire, c'est un sujet à évoquer. Il y a cette gestion de jouer, contrairement à des matchs de championnat, devant 50, 100 personnes, 200 parfois. Là, c'est des milliers de personnes, c'est déjà presque, pour ce que disaient les entraîneurs, notamment Christian Braconi, c'est déjà une approche pour la plupart de ces futurs joueurs qui seront destinés à une carrière professionnelle. C'est déjà, voilà, une première mise en situation. La touche est bien pour l'instant serrée par notamment le capitaine de cette équipe du Mans, Lucas Tesson, le milieu de terrain. On le voit là, Lucas Tesson, le numéro 6. Il y aura faute de Gaël Lafond. Gaël Lafond, grand talent également de cette génération marseillaise. C'est 2006-2007, lui qui vient de signer son premier contrat tout récemment, le 16 février dernier. On en reviendra un petit peu plus. Le centre qui ira directement dans les gants du gardien Aboubacar Dosso. Relance rapide, attention à la pression, bien communiqué. Oh, le contre terrible. Est-ce qu'il va pas avoir détourné et sortir le danger? Oui, heureusement qu'il y a eu la protection de Jesse Minunda. Mais attention à la première sortie de Louis Mezrette. Ouais, il faut communiquer avec la défense, ne pas commettre d'erreurs stupides. Louis Mezrette, le gardien de 17 ans, élément important du groupe, qui a connu une petite frayeur. On n'a pas parlé de l'arbitre de la rencontre. Il s'agit de Gabriel Schiaffitella, l'arbitre central, assisté par Gabriel Camara, Axel David et Cyril Faust. Voilà le créateur pour encadrer ce huitième de finale. La météo également, il a plu, il pleut. Les conditions vont forcément être un petit peu plus rapides, le ballon va fuser. Gaël Lafond.
rappelé à l'ordre. Et il va y avoir pourquoi pas un coup franc très intéressant. 5 minutes de jeu et peut-être une première occasion pour les Manceaux. Le ballon dans la boîte. Et il y aura une faute de Kadidi Nsumbi. Évidemment, il va y avoir un round d'observation. Et les joueurs de Christian Bracconi sont prévenus. L'entraîneur à la tête de cette équipe jeune depuis le début de la saison. Lui qui était venu en provenance des deux Belges. Les a prévenus. Attention, cette première occasion. Et la belle sortie de Louis Mesret. Impeccable dans les pieds de l'attaquant marseillais. Voilà la première opportunité marseillaise. Et le gardien, on le sait, décisif quand il le faut. A montré toutes ses qualités, Louis Mesret. Voilà, il se rattrape un petit peu de sa mauvaise communication. Mais quelle sortie, parce qu'il fallait le faire. L'OM a apporté le danger. L'OM était tout proche de marquer le premier but dans cette rencontre. Et voilà de quoi donner le ton. L'Olympique de Marseille qui n'est pas venu ici, hein, pour faire de la figuration, bien au contraire. Maintenant qu'ils sont en huitième de finale, les Marseillais, ils se prêtent au jeu de la Coupe Gambardella, avec pourquoi pas l'objectif d'aller la remporter. On l'a dit, une seule victoire en Coupe Gambardella. La transversale qui n'a rien donné. Et toujours le ballon dans les pieds de Lafond et de ses coéquipiers, avec Trigano, le capitaine de cette équipe marseillaise en Coupe Gambardella. En championnat, c'est Gaël Lafond, le capitaine, mais Christian Bracconi a décidé d'alterner le brassard du capitaine pour impliquer un maximum de joueurs dans ce rôle à responsabilité. Ouais, c'est bien fait. Beaucoup de maturité pour Noah Boissé de retour dans cette équipe. L'un des plus âgés, 18 ans, titulaire indiscutable de retour de blessure aux adducteurs. Absent lors du tour précédent, lors de la victoire 3-1 contre Saint-Omer. Le 4 février dernier. Le centre, pareil, vigilant, le gardien Aboubacar Dosso, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, passé par le centre de formation entre 2018 et 2022, qui forcément a connu des émotions particulières lors du tour précédent, en éliminant Marseille au tir au but, en sortant notamment le tir au but de Sangaré, pour qualifier l'Olympique de Marseille. Gardien est arrivé au club cet été. Dobenfeld avec Trigano pour trouver Abdallah. Il a signé un contrat stagiaire pro. Kenyan Abdallah, 17 ans, neveu d'un joueur bien connu à l'Olympique de Marseille, Toifilou Maoulida. Et ses 69 matchs et 21 buts entre 2005 et 2007. Attention, attention à ce ballon toujours dans les pieds marseillais. Ça va être récupéré par la défense mancelle. Et ça va dégager. Et peut-être une opportunité de contre avec Bernardo. Bernardo qui essaye d'y aller tout seul. Ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'il va obtenir la faute? Non, il n'y aura rien. Avantage pour l'attaquant. Et son coéquipier Ayoub Mejri qui a réussi à récupérer le ballon, le contre-favorable. Mais malheureusement, Mejri, il ne parvient pas à cadrer cette tentative. Voilà la première opportunité offensive pour les Sartois. Alors on n'a pas eu le temps de parler en préambule de ce match du parcours des deux équipes, mais
Le Mans est dans la compétition depuis septembre dernier. C'est déjà le 9e match dans la Coupe Gambardella. Pour Le Mans, un vrai parcours, une vraie aventure pour cette équipe mancelle. Avec d'abord des succès, alors assez aisés hein, évidemment, parce que le premier tour au 9 septembre dernier avait comme une victoire fleuve, 22-1 contre les Comoy Lanier. Et puis après il y a eu Laval-Bourny, Saint-Saturnin, Montreuil-Junier. Attention à cette occasion, cette peut-être frappe, elle sera contrée. Max Corbon et Mégerie pour relancer avec Sarac, pris entre deux joueurs et notamment Yanis Selami. L'un des joueurs de cette équipe marseillaise a évolué avec l'équipe de France U17, l'un des titulaires de cette équipe de France, de cette génération U17. Et donc pour en terminer avec le parcours, il y a eu Montreuil-Junier, Béné, il y a eu Ruffière à son Labruffière. Et puis ensuite, premier tour fédéral, Tours, victoire 3-0 au mois de décembre. Il y a eu Cholet, victoire 5-3. Et puis on l'a dit, Saint-Omer en 16e de finale, victoire 3-1. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, Le Mans, du côté de Marseille. C'est le 4e match dans cette Coupe Gambardella. On l'a dit, le 9e pour Le Mans et donc 4e pour Marseille. Ils sont entrés en lice lors du premier tour fédéral, équivalent des 64e de finale, contre Marignane, victoire 2-0. En 32e de finale, ils ont battu 1-0 Toulon. Et en 16e de finale, pour un match à une saveur particulière, la rivalité, mais rivalité saine entre Paris Saint-Germain et Marseille. Victoire lors du Classico de Marseille au tir au but après un but de Sternal. Gadou pour les Parisiens, un partout après le temps réglementaire. Allez, le premier corner pour les Marseillais. On s'approche du premier quart d'heure de jeu. Et le corner joue en deux temps avec Daryl Bacola, le centre. C'est pas terminé, ça revient. Ah, il va y avoir pénalty, et oui, c'est indiscutable malheureusement. Et oui, il a été pris, crocheté. Et on l'a vu hein, immédiatement, cette faute Mancel, c'est terrible pour la défense, mais effectivement, il y a bien faute. Enzo Sternal pour le tirer. Buteur en 32e de finale, buteur en 16e de finale. Va-t-il récidiver lors de ce 8e de finale? En tout cas, il en a l'occasion. L'un des joueurs les plus talentueux de cette équipe. Beaucoup le voient évoluer dans quelques années en Ligue 1. Et pourquoi pas à Marseille, Enzo Sternal face à Louis Mesret. C'est le duel proposé à la 14e minute de jeu, peut-être pour le premier but de ce 8e de finale. Impeccable, malgré le fait que Louis Mesret ait touché le ballon. C'est bien l'OM qui prend l'avantage dans cette rencontre, dans ce 8e de finale. L'œuvre est signée, Enzo Sternal sur penalty. Et malheureusement, ce ne sont pas les débuts rêvés pour Alexis Percheron. Premier but encaissé après moins d'un quart d'heure de jeu. Évidemment, ça modifie les plans de jeu.
de l'entraîneur qui évolue avec cette équipe U18, à la tête de cette équipe depuis le début de la saison, lui qui effectue sa sixième année au club. Mais il l'avait dit, notamment toute la semaine, qu'il ne veut pas déjouer, souhaite faire du jeu. Ils ne vont pas avoir le choix de toute façon, les Manceaux, désormais. C'est dommage, hein, c'est une petite finalement erreur de justesse dans cette intervention, parce que pour l'instant les Manceaux n'étaient pas forcément dominés par les Marseillais, quadrillaient bien en défense, serraient bien les espaces, étaient très très sérieux, mais ça ne l'a pas fait. Attention à cette occasion à destination de Ayoub Mejri, mais c'est bien Aboubaka Dosso qui relance rapidement directement sur Daryl Bakola et Kylian Abdallah. C'est Abdallah qui a réceptionné le ballon. Bakola ensuite a essayé d'échanger. Abdallah, peut-être pour essayer de centrer, il va essayer de trouver une tête marseillaise ou un pied, mais ça va être écarté par les Manceaux. Allez, un corner une nouvelle fois joué en deux temps et dégagé par, je crois, Lucas Tesson, ce ballon. Malheureusement, Lucas Tesson, le capitaine, fautif sur le pénalty transformé par Sternal. Et désormais, les Marseillais vont jouer avec intelligence, évidemment, faire tourner, essayer d'étirer ce bloc morceau, ce bloc défensif, forcément. Le Mans qui va devoir se livrer. Alors, il y a encore le temps, ne pas prendre tous les risques, évidemment, pour les joueurs d'Alexis Percheron, et ne pas condamner totalement leur chance. Il y a une belle opportunité. Malheureusement, légère position de hors-jeu pour Ayoub Mejri, qui est parti un petit peu trop tôt derrière la défense. Mais il y avait une belle offensive côté droit. C'est intéressant, très intéressant de voir évoluer cette équipe avec un Ayoub Mejri, toujours également utilisé dans la fixation, très important dans ce groupe. Et toujours, vous l'entendez, les supporters Manceaux qui sont là pour tenter de soutenir leur équipe, de les supporter, de leur donner un élan supplémentaire pour essayer dans un premier temps de pouvoir égaliser. Ouais, il y a une faute sur Gaël Lafont. Gaël Lafont qui va être soigné, il indique son mollet gauche. Alors on l'a dit, hein, Gaël Lafont qui vient de signer son premier contrat professionnel le 16 février dernier, dans le cadre d'un programme issu de ce qu'on appelle l'OM Next Generation. Lui qui a débuté la saison milieu offensif avant que son entraîneur Christian Bracconi décide de le redescendre d'un cran. Et il fait actuellement vraiment les beaux jours de cette équipe de l'OM, de ses moins de 19 ans en championnat. On le rappelle, les Gambardella, c'est une compétition qui réunit les joueurs de moins de 18 ans. Pas mal de 2005, de 2006 ou 2007, parce qu'il y en a certains des jeunes dans cette équipe. Comme notamment, on peut citer Ayoub Siwe, sur le banc des remplaçants, que l'on verra peut-être rentrer pour le MUC en deuxième période. On décide de repasser par le gardien du côté des Olympiens avec Aboubaka Dosso pour relancer le long ballon à destination de l'aile gauche. Ballon récupéré par Marseille avec Kylian Abdallah.
Ouais, qui est un joueur qui aime repiquer au centre, s'appuyer sur son pied gauche. Il évolue sur l'aile droite, mais il aime repiquer au centre. Un petit peu, si on veut comparer avec un joueur qui maîtrisait ce geste dans la finition derrière avec sa frappe, un Arjen Robben. Voilà l'esprit pour Kenyan Abdallah, joueur qui s'investit vraiment de plus en plus dans ce groupe. Gaël Lafont qui joue avec son capitaine Paolo Trigano, et on fait tourner hein, du côté de Marseille. Évidemment, avec cet avantage au score, on essaye de jouer intelligemment, bien construire. C'est bien fait cet échange Abdallah avec Corbon, et la bonne défense de Jesse Minunda Domingos. On parlait des joueurs de 16 ans, lui aussi à 16 ans, très jeune joueur. Pas mal de joueurs jeunes hein, en défense centrale, avec Lenny Cormier également. Côté du Mans, 16 ans, corner à nouveau. Alors pour l'instant, Marseille les a joués court à deux. Cette fois-ci, on a le sentiment que Gaël Lafont va tenter de mettre ce ballon dans la boîte. C'est fait, on centre à la réception. Une tête Mancel qui écarte le danger, c'est bien fait. Trigano en retrait avec Anis Doubal, qui fait partie des joueurs originaires de Marseille, natifs du club phocéen. Ouais, Abdallah, c'est bien pris. Et il va y avoir une très belle couverture. Mais attention, parce qu'il a un petit peu tergiversé Gaël Lafont. Et il y a le retour de Daryl Bacola, joueur athlétique et joueur important dans cet effectif. Lui aussi est un international U17 avec l'équipe de France, capable de jouer un petit peu partout sur le front de l'attaque, mais vous voyez, capable également d'évoluer un peu en retrait pour aider. Et pour l'instant, il est plutôt au milieu de terrain. Daryl Bacola, auteur d'un doublé lors du premier tour fédéral de cette Coupe Gambardella contre Marignane Gignac. Allez, on écarte le danger, c'est bien fait avec Jérémy Matoumona pour s'appuyer avec Gabin Bernardo, mais ça revient tout de suite dans les pieds marseillais. Et la puissance physique, c'est aussi ce qui fait la différence. Le Mans qui évolue cette saison en régional, leader qui a l'objectif de remonter pour à nouveau se confronter aux meilleures équipes du championnat national. Ouais, c'est bien fait, ce changement malheureusement. Kenyan Abdallah, position de hors-jeu. Allez, on relance court du côté du Mans. Ndouba Domingos avec son gardien, Louis Mezret. Ouais, qui ne peut pas se reprocher grand-chose hein, sur le pénalty, parce qu'il avait plongé du bon côté, même touché le ballon, dévié. Mais ce ballon, ce tir d'Enzo Sternal était puissant. Et malheureusement, il n'a pas pu empêcher le pénalty transformé. Il va y avoir une faute, effectivement. La faute d'Anis Doubal. Et ça va être un coup franc plus qu'intéressant pour les joueurs d'Alexis Percheron. Ouais, qui a parlé avec ses mots qu'il fallait bien exploiter l'utilisation du ballon, ne pas le s'en débarrasser, être intelligent dans la construction. Pour l'instant, c'est ce qu'ils font les Manceaux, parce qu'ils sont à la hauteur du rendez-vous. Loin d'être ridicule, bien au contraire. Et là, il y a un coup franc très très intéressant avec Lucas Tesson, notamment au ballon, peut-être pour tirer ce coup franc.
qui a deux possibilités, un droitier, un gaucher, c'est le gaucher, la frappe et la barre transversale après la parade d'Aboubakar Dosso. La voilà, la très très grosse opportunité, Mansell sur coup franc. Il y avait deux possibilités et ça a été parfaitement tiré, direction pleine lucarne. Mais quelle vigilance et quel arrêt d'Aboubakar Dosso, bien aidé par son montant. Mais quelle opportunité et quelle action. On était tout proche de l'égalisation, mais ça fait toujours 1-0 pour Marseille. Allez, attention à ne pas encaisser un deuxième but avec ce beau dribble de Daryl Bacola. Heureusement qu'il y a eu la tête de Lenny Cormier parce que là, il y avait gros danger, il y avait du monde dans la surface. Le centre à nouveau, le dégagement, cette fois de Jesse Minunda. À la pression marseillaise. Là, on a eu des actions chaudes en l'espace de quelques minutes. Et ce coup franc bien arrêté par Aboubakar Dosso, aidé également par sa barre transversale. Ah, on a été vraiment tout proche de l'égalisation. Quel dommage pour les Sartois. Mais voilà, énorme avertissement pour Marseille. Coup franc signé de Gabin Bernardo. Lui aussi joueur précieux en attaque. Souvent buteur. Et déjà dans cette campagne de Coupe Gambardella. Joueur qui tire tous les coups de pied arrêtés. Très technique. Allez, long ballon profondeur pour essayer de trouver l'attaque marseillaise. Ah, il y a un pied haut. Mais la faute, elle sera en faveur des Manceaux. Et notamment de Noah Boissé. On l'a dit, de retour de blessure. Lui qui était absent ces derniers temps en raison d'un souci aux adducteurs. Le latéral. Qui l'année dernière jouait... avec les U19 dans le championnat national. 25 matchs au compteur la saison dernière. C'est vraiment une pièce très importante en titulaire, on l'a dit, indiscutable. Et puis qui a la particularité de jouer aujourd'hui face à son équipe de cœur, parce que c'est un Marseillais de cœur, Noah Boissé. Attention à cette pression marseillaise. Mais bien défendu de la part de Matumona Makanga. Suppléé par Nuno Domingos. Face à Kylian Abdallah, qui le Marseillais, le neveu, on l'a dit, de Toifilou Maoulida, obtient un nouveau corner. Pas mal de corners pour les Marseillais à chaque fois de ce côté d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on va le jouer à deux avec Gaël Lafont et Bacola? Oui, on va le jouer court. Trouver des solutions. C'est ce que les Olympiens tentent de faire. Dobenfeld décontré. Ça permet de dégager du côté du Mans.
Il n'y aura pas de faute. La touche bien obtenue par Ayoub Mejri. Alors tout à l'heure, je vous ai cité Ayoub Mejri pour la tentative non cadrée sur une contre-attaque, une offensive lancée en profondeur avec le contre favorable. Mais ce n'est bien le numéro 8 que vous voyez qui vient de commettre la faute. Thibaut Legrou. Et attention à ne pas se prendre un carton. Et ça va être le cas. Le premier carton de cette rencontre à la demi-heure de jeu pour Thibaut Legrou et ce tacle. Un peu trop d'engagement pour celui qui fait partie de ces joueurs à s'entraîner avec la réserve du Mans. Tout comme notamment Louis Mezrette, le gardien, Jérémy Matumana, Makanga, notamment. Ça va aller pour le buteur de la rencontre, Enzo Sternal. L'unique buteur pour l'instant. Le Marseillais de 16 ans. Lui qui est natif de Nancy. Qui est arrivé à l'été 2022 d'ailleurs de Nancy. Enzo Sternal. Et on le voit pas mal pour l'instant. Kylian Abdallah. Très intéressant sur son côté droit. Qui permet à son équipe d'obtenir un bon nombre dans cette première demi-heure. De coup de pied arrêté, toujours tiré par le pied gauche de Gaël Lafont. Le centre au deuxième poteau, il y a du monde. Et il avait pris le dessus d'ailleurs, le capitaine Paolo Trigano. L'un des joueurs qui porte l'OM dans son cœur. Enfant du club. Il évolue avec Marseille depuis l'âge de 4 ans. C'est l'un des deux porte-drapeaux vraiment de cette équipe marseillaise. Fervent supporter du club. Paolo Trigano. Le long ballon dans la profondeur à destination d'Ayoub Mejri. Mais la touche, elle sera pour les Marseillais avec la remise en jeu de Lucas Dobenfeld. Ouais, il n'a pas réussi à contrôler ce ballon, il n'était pas évident. Guillaume Bernardo. Ryan Urobangna avec son gardien, Dosso au pied, tranquille. Bonne maîtrise hein, pour l'instant des Marseillais. Pas pour l'instant trop inquiété dans le jeu. La grosse occasion, on le rappelle, elle est intervenue à la 25e sur coup franc. Un coup franc de Garbin Bernardo qui est allé frapper la transversale. La faute en faveur des Sartois. Et la pluie qui tombe toujours sur ce stade. Marie-Marvin, ce grand stade où évolue l'équipe première du Mans. Mais effectivement, les jeunes remplissent les grands stades. Parfois quand l'affiche est belle, aujourd'hui avec Le Mans, Marseille, pas loin de 10 000 spectateurs, ce qui est exceptionnel. On peut penser également, pas si loin que ça, du Mans, à 2h du Mans, du côté de Nantes, avec Nantes qui évolue cette saison en Youth League, et qui pour, attention, à cette occasion, ouais, petite incompréhension là entre le gardien et son défenseur Ryan Urobangna, la défense et là les dégagements de Lucas Dobenfeld, mais c'est toujours dans les pieds Manceau. Il n'y a pas de faute, la contre-attaque et attention parce que ça pourrait être très dangereux. La bonne défense, vigilant Lenny Cormier du haut de ses 16 ans, l'international français. Et pour en terminer, oui, avec le fait qu'on remplit ses stades chez les jeunes à 2h d'ici à Nantes. Les Nantais qui évoluent en Youth League et qui pour accueillir le FC Séville. D'ailleurs, ils se sont qualifiés au terme de cette rencontre contre le FC Séville. Avaient joué le match à la Beaujoire et les supporters nantais avaient répondu présent.
au moins 20 000 spectateurs pour cette rencontre. Allez, on revient aux choses sérieuses sur cette pelouse du stade Marie-Marvin entre Le Mans et Marseille, et toujours 1-0 alors qu'on va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette première période. Match équilibré, la décision pour l'instant elle s'est faite sur un pénalty signé Zone Sternal à la 15e. Mais heureusement qu'il y a un très bon Aboubacar Dosso hein, dans les buts marseillais, parce que il faut être vigilant du côté du gardien olympien, parce qu'il y a malgré tout des offensives mancelles très très intéressantes. Il y a de la qualité chez les Manceaux. Et attention à cette mauvaise relance, petit problème de communication, un peu d'insuffisance presque technique du côté des Marseillais. Ne pas déjouer car il pourrait être puni face à une équipe très sérieuse du Mans, pour l'instant bien en place, appliqué, qui vraiment respecte les consignes d'Alexis Percheron, leur entraîneur. Alors on l'a dit, hein, il pleut beaucoup, les conditions ne sont pas évidentes pour proposer un beau football. 8 degrés, attention à cette occasion. En position de frappe, Abdallah, on en parlait, qui aime repiquer au centre pour se mettre en position de frappe sur son pied gauche. Il a tenté de le faire, mais une nouvelle fois, les défenseurs du Mans résistent. La remise en jeu marseillaise. 8 degrés dans l'air. Aujourd'hui, cet après-midi actuellement au Mans. Et nouveau corner, cette fois ce sera de l'autre côté. À nouveau grâce à l'activité offensive de l'international suisse. Les moins de 17 ans, Max Corbon. Daryl Bacola pour frapper ce corner. À nouveau à deux. Sternal, le contrôle pour tenter de provoquer. Et notamment Bernardo, le centre. Il n'y avait personne pour réceptionner ce ballon. Le ballon d'Enzo Sternal. Petit joueur, mais doté d'une technique et notamment d'un crochet redoutable. Joueur vraiment capable de faire la différence par sa qualité de dribble. Ah, bien cerné. Ayoub Mejri par Ryan Urobangna. Et la relance avec Yanis Selami. C'est vrai qu'on n'a pas forcément trop vu. Pour l'instant, il effectue le travail de l'ombre dans son rôle de milieu de terrain défensif. Yanis Selami, international français chez les moins de 17 ans, qui lui a vraiment des qualités de passeur exceptionnel, à la fois dans le jeu court et long. Très belle vision du jeu. Joueur qui a longtemps été blessé, Selami, on le voit d'ailleurs à la récupération pour passer avec Gaël Lafont. Selami, ouais, blessé au genou longtemps la saison dernière et qui est revenu en octobre. Et depuis, vraiment, il réalise une très très bonne deuxième partie de saison. Dans les yeux, dans les mots de son entraîneur, même une deuxième partie de saison assez exceptionnelle. Nouveau corner avec l'impulsion à nouveau d'Enzo Sternal pour tenter d'emmener ses offensives et essayer de faire une deuxième fois la différence. Avant la pause, pourquoi pas. Daryl Bacola, lui aussi international français, U17. Au corner, d'un côté c'est Bacola, de l'autre c'est Lafont. Le centre de Bacola, peut-être pour Abdallah, mais la tête bien repoussée par Lenny Cormier. Et quand on évoque Lenny Cormier, on pense forcément à son papa, Arnaud Cormier. C'était lui l'entraîneur lors de la victoire en 2004, il y a 20 ans, du Mans en Coupe Gambardella. Sérieux pour l'instant, le défenseur central de 16 ans, qui connaît bien notamment Bacola, Sternal, ou encore Yanis Selami, parce qu'il a été sélectionné l'été dernier pour le stage avec l'équipe de France chez les moins de 17 ans. Pas encore de sélection, mais déjà appelé par le sélectionneur. Ouais, bien fait avec Bacola qui s'appuie pour essayer de trouver une solution. Il y a Max Corbon. Mais voilà, on en parlait de Lenny Cormier. Impeccable.
dans son intervention en défense. Vraiment, il réalise pour l'instant une partie parfaite. Lui qui déclarait, Lenny Cormier, que c'était une fierté de jouer cette coupe en sachant que son papa avait réussi à la remporter. Et forcément, il l'a dit, il l'a déclaré, il a envie de faire pareil que lui, imiter son père. Les deux hommes qui, à la maison, parlent football, évoquent football. Lenny Cormier, vraiment, qui lui aussi fait partie de ces joueurs qui ont un grand avenir. Lui, qui est natif du Mans, on l'a dit, hein, 90% de l'effectif manceau dans cette équipe vient du Mans ou de ses environs, de la Sarthe. Attention, la pression de Lucas Tesson qui va obtenir la faute, le capitaine, faute de Gaël Lafont. Oh là, il y a tirage de maillot, il y aura carton. Ouais, pour cet anti-jeu. Et c'est tout à fait logique. La faute de Yanis Selami. Le numéro 6 marseillais, carton jaune pour lui. Et ça va offrir, pourquoi pas, un coup franc intéressant dans les dernières minutes de cette première période. Lucas Tesson au ballon, le capitaine. Long ballon, c'est bien fait, la déviation. Et ça ne trouvera pas le cadre. La tête du déjà grand par la taille, même s'il n'a que 16 ans, Lenny Cormier. Et s'il y a du monde pour supporter Le Mans, on l'entend aussi. Pas mal de supporters marseillais dans les tribunes, la frappe. Et cette fois-ci, elle sera directement sortie des limites du terrain sans être contrée. Et ce sera donc une sortie de but pour Louis Mezeret. Long dégagement pour Gabin Bernardo qui va réussir à obtenir ce ballon. Il est face à 2-3 défenseurs. Désormais, il est cerné. Il parvient à centrer. C'est bien fait. Il y a peut-être une possibilité pour les Manceaux se mettre en position de frappe. Il préfère changer de côté. La tentative. Et une nouvelle fois, la parade d'Aboubacar Dosso. Ce n'est pas terminé. Si, le dégagement de la défense marseillaise, peut-être une possibilité de contre-attaque. Mais quelle frappe d'Egmen Sarak et quel arrêt une nouvelle fois d'Aboubacar Dosso. La voilà encore, une nouvelle fois la grosse occasion, peut-être l'ultime occasion dans cette première période pour égaliser pour Le Mans. La récupération de Mathieu Mona Makanga qui va tenter d'aller provoquer son vis-à-vis Lucas Dobenfeld. Le centre, ce sera contré et ce sera un corner pour Le Mans qui pousse dans ces dernières minutes de cette première période. Et heureusement qu'il y a un Aboubacar Dosso des grands jours, lui qui est titulaire depuis le début de la saison, arrivé cet été et qui pour l'instant réalise vraiment une partition parfaite, impeccable dans ses buts, parce qu'il faut les sortir, ces parades. Elles sont loin d'être évidentes. Et il est là, il est bien au rendez-vous et permet pour l'instant à Marseille de rester en vie et surtout pour l'instant d'être toujours en tête, vous le voyez. Alors que dans une minute, on rentrera dans le temps additionnel de cette première période, de ce premier acte. 1-0, toujours pour Marseille, mais corner pour Le Mans. Allez, le centre, c'est bien fait. Deuxième chance. La tête de Noah Boissé. Mais qui sera loin du cadre, malheureusement. Et ce sera une renvoi au 5m50 pour Aboubacar Dosso.
l'un des hommes les plus en vue de cette équipe marseillaise dans cette première période. Ce qui veut dire que Le Mans a des occasions, a des opportunités pour faire mal à Marseille. Mais grâce à son gardien, pour l'instant, les Olympiens sont devant. Ouais, c'est bien fait, la barre d'Enzo Sternal là, qui a tenté d'éliminer son adversaire. On est rentré dans le temps additionnel, peut-être la dernière opportunité dans cette première période avec Abdallah qui a frappé le pied droit. Et quel arrêt cette fois-ci de Louis Mesret qui se détend lui aussi de tout son long pour détourner ce ballon. Cette frappe de Kylian Abdallah est exceptionnelle dans cette première période. Il y a du talent chez Aboubacar Dosso et chez Louis Mesret. Corner pour Marseille. Le corner, bien écarté, mais toujours le ballon dans les pieds marseillais. On préfère revenir en retrait, le long dégagement devant. Pas de position de hors-jeu, mais la défense Mancel et Jessimi Nunda Domingos en couverture. Malheureusement, il a un petit peu manqué ce dégagement. Et ça va offrir... un nouveau coup de pied arrêté, nouveau corner qui va être tiré de ce côté par Gaël Lafont et son pied gauche. Est-ce que celui qui évolue au club depuis l'été 2016 va offrir un ballon de but à l'un de ses coéquipiers? C'est parti, deuxième poteau, superbe sortie de Louis Mesret, plein d'autorité, il avait bien lu la trajectoire. Le gardien de 17 ans. Il n'y a pas de faute, on continue. Avec Kadidi Tsoumbi, la longue frappe, la tentative de Bernardo. Allez, contre, il y aura une touche. Mais on ne la jouera pas cette touche, puisque l'arbitre central vient à l'instant de siffler le terme de cette première période. Première période vraiment plus qu'agréable. Pour l'instant, c'est Marseille qui mène 1-0 grâce à une réalisation d'Enzo Sternal, le numéro 10, buteur sur pénalty à la 15e, après une faute de Lucas Tesson, le capitaine Manceau, dans la surface de réparation. Marseille mène 1-0 depuis la 13e minute, mais attention parce que Le Mans est dangereux. Et sans un grand Aboubacar Dosso, Le Mans aurait bien pu égaliser 1-0 à la mi-temps. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la deuxième période de ce 8e de finale de la Coupe Gambardella. Crédit Agricole, engagé sur tous les terrains depuis 50 ans. On sait que c'est un contexte, un environnement qui est un peu différent de l'habitude. Il faut qu'on arrive à en faire abstraction, qu'on soit focus sur ce qui nous attend. C'est dimanche. C'est un beau parcours pour l'instant. On va essayer de le continuer. On a un tirage au sort qui nous fait rêver. Nous, les coachs, et puis forcément les joueurs. C'est une juste récompense pour le travail qui est effectué alors, depuis le début de la saison, mais c'est aussi depuis plusieurs saisons, parce que c'est une génération avec beaucoup de joueurs sartois, 90%. Donc forcément, jouer ce match contre l'Olympique de Marseille, c'est aussi une référence en France. Et c'est être dans la capacité de se confronter à ce qui se fait de mieux. Moi je suis marseillais de cœur, donc une rencontre spéciale, mais franchement ça va être bien parce que très bonne formation l'OM, ils sont premiers en 19 nationaux et en plus on joue au stade Marie-Marvin, donc il y a tout qui est rassemblé pour faire un gros match et aller chercher une qualif dimanche. Je suis très content de vivre cette aventure
car ça arrive pas plus d'une fois dans une vie, ça arrivera qu'une fois dans une vie. Et la vivre avec mes potes, avec qui je joue depuis tout petit, bah, je vis un rêve en ce moment. Dans le grand stade Marie-Marvin, un stade mythique qui a connu des rencontres de Ligue 1, de Ligue 2. Vraiment, donc ça fait que du plaisir et que du bonus pour nous qui avons que 17 ans, 18 ans, voire même 16 ans. Marseille fait partie des plus grandes équipes de France, même d'Europe, je dirais. Donc, je vais pouvoir avoir la chance et l'opportunité de jouer contre Marseille. Ça me fait plaisir. Attention, quand vous recevez le ballon, vous devez le recevoir dans le petit couloir là. Ok, sur la prise de balle. Nous, l'objectif, c'est de jouer ce que l'on sait faire, ce que l'on fait depuis le début. Ne pas changer, voilà. Essayer de mettre en place notre animation offensive. Et puis forcément, dans l'animation défensive, essayer de leur poser le plus de problèmes par rapport à ce que eux font depuis le début de la saison. Et mentalement déjà, il va pas falloir se dire qu'on est outsider. Il va falloir se mettre au même pied d'égalité. Il faudra de la qualité, comme on sait tous, comme tous les joueurs de notre équipe le savent. Il y a de la qualité en face, de très bons joueurs, comme chez nous aussi, il y a de très bons joueurs. Et il va falloir être prêt et au niveau pour une très belle rencontre contre Marseille. Egmen, reste là, Egmen. Bien joué, Jérémy, bien parlé. Egmen, prends ton dos. La qualité de mon groupe, c'est que c'est un groupe qui est très travailleur. Voilà, au quotidien, c'est des joueurs qui ont tout le temps envie de gagner, peu importe ce que l'on met en place. Forcément, peu importe dans ce que l'on veut aller, ils adhèrent à ce que l'on met en place. Donc je pense que c'est surtout ça qui est très fort chez nous. On a un très bon esprit de groupe, on rigole tous ensemble, tout le monde s'entend bien. On est tous une bande de potes qui ont le même objectif, on marche tous vers le même but. Et que ce soit en dehors et sur le terrain. On est vraiment une bande de copains qui cherchent à prendre du plaisir ensemble et à atteindre le plus haut niveau. Il y a des marqueurs orange, en gros, une zone de football côté, une grande zone axiale, une autre côté, là-bas. C'est libre. C'est une équipe qui est en tête de ces championnats en 17 ans nationaux, en 19 ans nationaux, qui est championne de France en titre en U17. Forcément, c'est une très grosse génération avec des joueurs qui évoluent régulièrement en équipe de France. Forcément, ça serait un exploit. Mais honnêtement, on est prêt et on a envie de jouer ce match et on va tout faire pour le gagner. Tout le monde regarde la Gambardella, en plus là en 8e de finale, on fait partie des 16 meilleurs clubs de France. Donc c'est exceptionnel. On joue quand même à 8e de finale, faut prendre plaisir à jouer, mais va falloir être sérieux, concentré. Touche à Mohamed, forcément pour sortir, après je rajoute une deuxième touche et derrière je mets le ballon. Quand on a démarré la Gambardella en septembre, on ne se l'était pas forcément imaginé. Alors d'aller aussi loin, c'était dans nos têtes, mais de jouer un match au stade Marie-Marvin, pas forcément. Donc le club a tout fait pour que ce match ait lieu dans le stade, en termes de sécurité, et puis pour aussi récompenser les joueurs, et puis se confronter à ce qui les attend, je l'espère, le plus tôt possible. Bonsoir, Gamma. Bonsoir, on compte sur toi. Allez, Gamma. Parfait. Ouais, moi, je suis impatient. Et je suis confiant aussi en même temps. Je suis confiant, j'ai confiance en l'équipe. Je sais que si on joue notre jeu avec lequel on joue depuis le début de l'année, ça le fera. Parce que on a les individualités pour et on a le collectif, on a un mental d'acier. Donc j'ai confiance. On sait de quoi on est capable et ce serait un exploit sans en être un. Parce qu'on connaît nos caps. On connaît nos qualités et nos capacités. On n'aborde pas ce match en se disant que oui, on joue la Coupe de Marseille. Et forcément, ça va être un match très difficile. Effectivement, il y a la Coupe de France après quand on est senior. Mais celle-ci, on ne peut la jouer qu'une ou deux fois. Donc c'est la croquer à pleines dents et puis essayer de faire le plus gros parcours. Parce que forcément, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on s'en souviendra. Olympique de Valence et plus précisément dans la zone Briffaut, parce qu'on est un pôle d'excellence football amateur.
le premier de France labellisé par la Fédé. Et du coup, bah, là, c'est notre terrain d'entraînement à 100 mètres du lycée et de l'internat. Et parce qu'on s'est qualifié record du club pour les 8e de la Gambarde. Heureux de pouvoir vivre des moments comme ça avec une belle équipe et puis vivre des grands moments comme ça dans notre jeunesse. Parce que bon, la Coupe Gambarde, là, ça arrive qu'une seule fois dans une vie. Donc ouais, on est content de pouvoir vivre des expériences comme ça. On a toujours eu des tirages favorables jusqu'au là au 16e. Et on attendait un gros, on a eu Monaco qui était le tenant du titre. Donc il y avait eu du monde, il y a eu du monde au stade et puis nous on a fait notre plan de jeu qu'on voulait. On a bien défendu et puis voilà, même en Gambarde en fait, même à 1-0, on est encore dans le match. On a créé l'espoir contre une équipe de Monaco qui était très bonne équipe sur le papier. Après nous on n'a rien lâché jusqu'au bout, on égalise dans les 15-20 dernières minutes. On n'a rien lâché et je pense que ça fait preuve de notre état d'esprit. On a battu le record du club, donc ouais, on est très heureux, mais on compte pas s'arrêter là parce qu'on a encore un gros match dans deux semaines, on reçoit le Stade Brestois et on compte faire encore une grosse performance pour encore un petit peu écrire encore plus l'histoire du club. Un peu plus de dynamisme. Hé, t'appelles-toi ? Comme depuis le début de l'année, que ce soit en Challenge Jean Leroy, en Gambardella et en Championnat, nos trois compétitions, on joue chaque match pour les gagner. Je pense qu'on est capable de gagner n'importe qui, donc faut préparer notre match normalement et attaquer le match avec la motivation nécessaire pour gagner le match. On travaille pour ça, toutes les semaines on est là et puis on bosse pour pouvoir aller le plus loin possible et ouais, l'objectif c'est pas de s'arrêter qu'au 8e de finale, c'est d'aller encore plus loin. On a gagné Monaco au match dernier, on peut se permettre de rêver aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on va tomber sur une très bonne équipe du Stade Bressois, c'est une équipe qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Contre une autre région qui est la Bretagne, qui a 4 équipes qui sont qualifiées en Gambardella aujourd'hui. Donc ça prouve que ça va être une très belle équipe et une très belle affiche de 25 février. L'année dernière, Pau par exemple avait fait un joli parcours. Ils étaient en championnat un peu comme nous. Et puis ils ont fait un parcours, je crois, jusque dans le dernier carré. Donc voilà, ça montre que c'est possible. Je pense que les clubs amateurs travaillent de mieux en mieux et ça se voit aussi parce que là, sur les 8e, il y a 8 clubs pro et 8 clubs amateurs. Je pense que les forces de notre équipe, c'est que c'est une équipe de copains. Ça fait déjà 2 ans qu'ils travaillent ensemble, donc c'est un peu l'aboutissement du projet aussi, de notre triple projet nous au club, où c'est éducatif, scolaire, et du coup bah, c'est une année de terminale, donc il y a l'année du bac, et ça fait 3 ans qu'ils se côtoient à l'internat, enfin tous ensemble, et forcément bah, c'est un peu l'apothéose aussi de leur projet depuis 3 ans. On a un groupe qui est extrêmement soudé, je pense que c'est surtout grâce à ça. On a un groupe, on s'entend tous très bien, on se connaît tous depuis très longtemps, et je pense que c'est la force principale, comme l'a dit mon capitaine, et qui a été notre groupe, c'est qu'on est un groupe très solidaire. On est une bande de potes, et on est tous les jours au quotidien ensemble, on est à l'école ensemble, on est au foot ensemble, donc on est tout le temps ensemble. On est content de pouvoir ramener du monde à Valence, au stade, pour le football du district d'Ardèche et pour le football de Valence. Donc ouais, on est content, puis on a nos amis aussi du lycée, etc. qui nous suivent, donc ouais, on est content. Gambardella, bah déjà ça représente tout pour nous, c'est une compétition en plus, donc c'est des matchs en plus, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de jouer la Gambardella. Aujourd'hui on est la seule équipe Auvergne-Rhône-Alpes, on représente Auvergne-Rhône-Alpes, le district de Drôme Ardèche, donc je pense que c'est une fierté pour nous et après ça peut être que du bonus pour nous par la suite. Merci, c'est merci bon. À vous. Bravo. We'll be right back.
Début de la deuxième période dans quelques instants, dans quelques minutes. Ici, toujours au Mans, dans ce fabuleux stade. Marie Marvin, cet après-midi, en ce 25 février 2024, c'est les huitièmes de finale de la Coupe Gambardella. Et on va revoir ce qui s'est passé en première période avec vraiment du spectacle. Et dès la 7ème minute, une sortie impeccable dans les pieds de l'attaquant marseillais Max Corbon. Louis Mesret qui ne va rien pouvoir faire sur le penalty au quart d'heure de jeu de Enzo Sternal, la pépite marseillaise qui va inscrire pour l'instant le seul but de la rencontre de ce 8ème de finale. Les Manceaux vont réagir avec ce coup franc magnifiquement tiré de Bernardo, Gabin Bernardo qui va trouver Abou Bakadosso, puis la barre transversale. Ensuite, c'est son coéquipier Egman Sarah qui va à nouveau trouver les gants du gardien, du portier marseillais, avant que son homologue Louis Mesret lui aussi s'exprime pleinement face à la tentative de Kylian Abdallah. Donc 1-0 à la mi-temps entre Marseille qui se déplace au Mans, mais le Mans qui évolue en division inférieure par rapport à l'Olympique de Marseille vraiment tient largement les débats, largement fait figure d'adversaire épouvantail, redoutable à l'Olympique de Marseille qui les hommes de Christian Bracconi doivent se montrer plus que vigilants, eux qui avaient réalisé déjà une superbe perf les Marseillais en éliminant le Paris Saint-Germain en 16e de finale début février et qui sont en terre sartoise pour continuer leur parcours. Mais ils venaient ici avec évidemment le costume de favori, mais dans leur tête, les Marseillais ne s'estiment absolument pas favoris. Bien au contraire, ils respectent totalement cette équipe du Mans qui est bien présente et qui propose pour l'instant les hommes d'Alexis Percheron un match à la hauteur de l'événement, à la hauteur de ce rendez-vous de cette Coupe Gambardella. Un événement sur lequel on fête les 20 ans de la victoire, la seule victoire du Mans en Coupe Gambardella. C'était en 2004, il y a tout pile 20 ans, beaucoup de festivités et le public présent pour tenter de soutenir, de jouer le rôle de 12e homme pour ce joueur Manceau. L'Olympique de Marseille, les acteurs de cette équipe olympienne sont de retour sur la pelouse. Pas de changement, a priori, les 11 mêmes acteurs que lors de la première période vont entamer le deuxième acte, les 45 dernières minutes, dernier échauffement. Dernière consigne pour tenter de se mobiliser, continuer de se mobiliser et à être sérieux. Pour l'instant, Marseille mène 1-0. Et vous l'entendez, le public qui crie, qui supporte l'entrée de ses joueurs. Le Mans de retour sur la pelouse pour tenter de revenir. Ils sont menés 1-0, mais ils ont eu les occasions, ils ont eu les opportunités et ils sont capables de revenir, les joueurs d'Alexis Percheron. C'est l'objectif, en tout cas, affiché avec évidemment la même mentalité, jouer offensif intelligemment. On sait, hein, cette équipe Mansell est une équipe très prolifique, qui marque beaucoup de buts. Ça a été le cas lors des tours précédents. Et elle aussi, cette équipe, elle va à nouveau évoluer avec les mêmes joueurs. Les 22 mêmes acteurs vont donc entamer cette deuxième période dans quelques instants. L'occasion de vous rappeler le programme de ces huitièmes de finale avec un magnifique programme cet après-midi. Cette affiche, Le Mans-Marseille, mais vous pouvez suivre également sur FFF TV depuis 14h30, Metz contre Lorient. On retrouve deux équipes livinoises aussi, Le Mans-Antois 78 contre 3, Versailles contre Toulouse, Nancy opposé au Stade Briochin. Il y a également le Stade Rennais chez les grands qui affrontera le Paris Saint-Germain en championnat, mais en Gambardella, ils affrontent Saint-Clément-Montferrien. L'Olympique Valence également affronte le Stade Brestois. Coup d'envoi de cette deuxième période. Le Mans a 45 minutes pour tenter
de rectifier ce scénario pour l'instant mal embarqué. L'Olympique de Marseille mène 1-0, mais Le Mans a l'opportunité, a les qualités pour dans un premier temps revenir à hauteur de Marseille et pourquoi pas dans un second créer l'exploit, éliminer peut-être le leader du championnat national, le leader de la poule D, Marseille. Allez, un nouveau coup franc avec Kenny à nouveau autour du ballon, les deux mêmes hommes avec son pied gauche Gabin Bernardo, avec son pied droit le capitaine Lucas Tesson. Les premiers peut-être avertissements possibles pour Marseille. Bernardo qui va trouver le pied d'un Marseillais pour dégager. Abdallah, le premier sur le ballon. Et il y a une possession, et une opportunité de contre-attaque avec Max Corbon. Et puis Daryl Bacola, le centre, qui ne donnera rien, bien défendu à la montée de l'arrière gauche Jérémy Matoumona, avec Thibaut Legroux qui fait partie des joueurs qui ont été avertis en première période. Un carton jaune côté Manso, un carton jaune également côté Marseillais et un corner pour Le Mans qui entame fort cette deuxième période. Le corner va être tiré par le capitaine Lucas Tesson. Et toujours cette pluie qui tombe. Ah, c'est bien fait. À nouveau dégagé par Yanis Selami de la tête. Peut-être pour une contre-attaque. Le ballon qui ne va pas sortir. Abdallah qui va être le premier dessus. Et qui va obtenir la faute. Ouais. La faute de Jérémy Matoumona Makanga. Averti. Le latéral gauche de cette équipe Mancel. Et ça va être un coup franc pour les Marseillais. Et on entend hein, beaucoup de supporters. Vous voyez le parquage marseillais. Beaucoup de supporters du sud de la France sont venus pour soutenir leur équipe. Et on les entend bien. Les supporters marseillais. Belle ambiance. Très belle ambiance. Daryl Bacola qui prend le meilleur sur Noah Boissé. Qui est bien revenu, le défenseur. C'est l'ami, le centre. Et la belle anticipation, la belle lecture de jeu de Louis Mesret pour intercepter ce ballon et tenter tout de suite de servir Yayoub Mejri. Il y aura une faute en faveur des Marseillais. La faute sur Gaël Lafont. Attention, ça s'échauffe un petit peu là, notamment avec
Anis Doubal et Noah Boissé. Évidemment, il y a l'enjeu au fil des minutes qui vont s'écouler. Il y a forcément des moments de tension qui vont intervenir, mais l'arbitre de la rencontre pour l'instant qui gère parfaitement sa rencontre et qui avertit les joueurs. Et notamment Yanis Selami et Noah Boissé. Yanis Selami déjà averti, attention, de ne pas prendre un deuxième carton jaune puis un carton rouge. Le ballon récupéré par les Marseillais. Avec Yanis Doubal. Boissé pour Ayoub Mejri, bien serré, bien cerné. Sternal qui essaie de passer et la balle elle sera pour les Manceaux avec la pression de Lucas Tesson, le capitaine. Début de deuxième période assez haché, pas mal entaché de fautes pour l'instant. Cette fois-ci, c'est Andy Junior Kadidi Nsumbi qui commet l'erreur. On le rappelle, hein, pour l'instant, on connaît un seul qualifié pour les quarts de finale. Il s'agit du Stade de Reims, vainqueur hier soir, 4-0. D'Épernay Champagne. Cette affiche cet après-midi, dont 2 à 14 heures. Attention avec ce centre d'Abdallah qui tentait de charger Enzo Sternal, mais un petit peu trop court. L'attaquant marseillais. Et il va y avoir une faute. Faute de Yanis Selami sur Kadidi Nsumbi. Et le ballon n'est pas sorti, il n'y aura pas de faute. Si, en faveur de Ryan Uro-Bangna. Joueur très grand, très physique. Pas facile hein, de passer le défenseur. Très costaud. Ryan Uro-Bangna. Lui qui a intégré l'équipe avant Noël. Il y a environ 3 mois et qui ne l'a plus quitté. Convaincu son entraîneur, Christian Bracconi. Allez, le ballon intéressant pour Gama Bernardo qui malheureusement ne trouve pas le cadre. Lui qui a été déjà buteur à multiples reprises. Double buteur lors du 16e de finale contre Saint-Omer. Buteur également deux fois en 32e de finale contre Cholet. C'est un atout offensif indéniable du côté du Mans. Malheureusement, son tir n'a pas été assez précis. Il n'a pas pu alerter Aboubacar Dosso. Mais ça revient du côté Manceau. Avec un nouveau corner. La pression. Elle est pour les hommes d'Alexis Percheron pour l'instant. Dans ses 10 premières minutes de cette deuxième période. Nouveau corner. Tiré une nouvelle fois par Lucas Tesson au ballon. Ouais, c'est bien centré. Il y a du monde au deuxième poteau. Peut-être avec Noah Boissé. C'est contré. Le ballon partait bien. Mais il y a eu une muraille olympienne devant Noah Boissé pour écarter le danger. Nouveau corner. Tiré par le gaucher cette fois, Gabin Bernardo. Ouais. Troisième corner consécutif. Il a voulu assurer Aboubacar Dosso. Préféré toucher ce ballon.
même s'il semblait tout seul sortir des limites du terrain. Mais à la tentative de retourner, Noah Boissé, ça ne donne rien. Les Marseillais qui se dégagent. Et l'occasion de contre avec, pourquoi pas, le Suisse Max Corbon. Ça revient sur Bernardin. C'est bien fait. Bernardo, pardon. Yannis Tselami qui s'appuie avec Daryl Bacola. Il a un petit peu d'estas, Daryl Bacola. A tenté de trouver Enzo Sternal, mais il trouvera le pied d'un défenseur Manceau, un défenseur du MUC, pour tenter de dégager le pressing marseillais. On préfère tirer loin devant. La récupération avec Gaël Lafont pour Sternal. La récupération de Bernardo. Il y a de l'espace maintenant avec Thibaut Legroux pour écarter côté gauche. Peut-être trouver une solution à gauche, ouais. Compliqué, mais il s'impose. Est-ce qu'il va y avoir pénalty sur Gabin Bernardo? Oui, pénalty. Pénalty pour Le Mans, suite à cette faute un petit peu bête finalement de Ryan Urobangna. Et le pénalty sur le même but que tout à l'heure en première période d'Enzo Sternal. Cette fois-ci, Le Mans a l'occasion également sur cette phase de jeu de pouvoir égaliser après 10 minutes de jeu au début de cette deuxième période. Et c'est Gabin Bernardo qui va tenter de ramener son équipe à hauteur de Marseille dans quelques instants. C'est lui qui a pris le ballon, c'est lui qui a obtenu la faute, vous le voyez. Allez, bousculé par Ryan Urobangna. Averti d'un carton jaune d'ailleurs, le défenseur central. Il y a du changement. Il y a du changement sur la pelouse. Tajdin Mahdi qui est rentré, le Marseillais. Alors on verra dans quelques instants en lieu et place de qui. Pour l'instant, concentrons-nous sur le pénalty de Gabin Bernardo qui a l'occasion de ramener Le Mans à domicile dans son stade Marie-Marvin devant près de 10 000 spectateurs. Peut-être l'égalisation dans quelques instants. Bernardo face à Dosso, le gardien marseillais. Auteur d'un arrêt, notamment lors de la séance de tir au but au tour précédent contre Paris. Il est de nouveau décisif. Aboubacar Dosso, incroyable. C'est vraiment l'homme du match pour l'instant marseillais. Gabin Bernardo qui s'écroule, évidemment déçu d'avoir échoué. Tout de suite soutenu par ses coéquipiers. Il y a une très très grosse solidarité du côté du Mans. Ce n'est pas terminé. Corner immédiatement tiré. Peut-être une solution. Ça va être repris. Non, Enzo Sternal pour écarter le danger. Et il y aura une position de hors-jeu de la part de Lucas Tesson. Énorme arrêt d'Aboubacar Dosso qui parvient à sauver l'OM sur cette tentative. Et c'était pas mal tiré, il y avait quand même de la puissance pour Gabin Bernardo. L'attaquant Manceau. Mais quel gardien exceptionnel aujourd'hui, Aboubacar Dosso. L'ancien Parisien qui fait des merveilles une nouvelle fois dans le but. Et heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Marseille, si Marseille se qualifie tout à l'heure, pourra largement remercier son gardien, auteur d'une prestation remarquable aujourd'hui. Et on comprend mieux pourquoi c'est un joueur, Aboubacar Dosso, qui n'a pas quitté les buts de Marseille depuis le début de la saison. Christian Braconi l'a titularisé pour tous les matchs. C'est tout simplement parce qu'il est décisif. Gaël Lafont pour le corner, bien écarté. Mais ça revient dans les pieds de Dobenfeld, directement dans les gants de Louis Mezret. Cette frappe est cadrée, mais trop axiale pour mettre en danger Louis Mezret.
Allez, on est parti en tout cas sur de bonnes bases hein, dans cette deuxième période. Il reste encore une demi-heure à jouer entre Le Mans et Marseille. Bel après-midi, malgré la pluie, ici au Mans, au stade Marie-Marvin. L'ambiance est belle, le match est plaisant et vous faites bien de le suivre en direct sur FFF TV parce que l'affiche répond vraiment à toutes les attentes. On s'interrogeait beaucoup. On savait que l'engouement serait incroyable. Maintenant, il fallait répondre sur le terrain. Le centre, peut-être. Dayoub Mejri qui va trouver une solution. Et la voilà, l'égalisation. Quelques minutes après avoir échoué sur penalty, Engman Sarac rattrape l'erreur de Gabin Bernardo. Et Le Mans repense à l'exploit. Le Mans est devant pour peut-être éliminer l'OM. En tout cas, Le Mans égalise. Le Mans vient de réaliser un gros coup sur cette contre-attaque grâce à ce centre d'Ayoub Mejri et cette conclusion d'Egmen Sarac. Le Mans 1, Marseille 1, tout est relancé. Et quelle réalisation, quel collectif. Ils auraient pu douter, les Manceaux, les hommes d'Alexis Percheron après l'échec sur pénalty de Gabin Bernardo. Mais non, si Bernardo échoue, et bien c'est ses copains de l'attaque, ses compagnons d'attaque, Mejri pour Sarac, pour permettre au Mans d'égaliser un partout. Et il reste une demi-heure pour peut-être, pourquoi pas, du très très grand spectacle. En tout cas, Le Mans est à hauteur de Marseille. Le Mans peut réaliser l'exploit d'éliminer l'Olympique de Marseille. Ah, il n'avait pas marqué Egman Sarac lors des trois derniers tours. Et le voilà décisif. L'attaquant de 16 ans. Un joueur qui ne compte pas ses efforts. Très important pour le collectif qui aide son équipe à venir défendre, à aider ses défenseurs quand ils subissent face à l'adversaire. Un joueur qui doit s'améliorer dans la surface de réparation et qui là s'est montré décisif. Et forcément, ça va donner un nouvel élan au Mans. Et l'ambiance qui augmente encore un peu plus. Les décibels qui augmentent. Et ça va être intéressant maintenant de voir un petit peu la configuration de la rencontre, la physionomie de ce match. Avec une nouvelle offensive, avec Kadidi Ndoumbi. Il n'y aura pas de faute cette fois-ci, il n'y aura pas de troisième pénalty dans cette rencontre. Mais attention parce que la pression se fait de plus en plus intense. Et Le Mans vraiment est entré dans cette seconde période de manière impeccable. Le message, on l'imagine, d'Alexis Percheron a bien été transmis. En tout cas, l'attitude sur le terrain ne se fait pas tromper. Et attention parce que les Marseillais sont désormais sous pression. On le rappelle, Marseille, leader de son championnat chez les U19. Leader également dans la catégorie inférieure U17. Certains joueurs ont été champions la saison dernière dans le championnat U17. Vainqueur d'Amiens en finale. Beaucoup sont internationaux français ou suisses pour Max Corbon dans la catégorie des moins de 17 ans. Il y a des joueurs de qualité. Mais voilà, face à la solidarité, le fait de jouer à domicile, Le Mans répond à Marseille et met en difficulté les Olympiens. Un partout et c'est mérité. Hein. Il n'y a pas de vol, c'est une totale justice pour Le Mans qui a eu d'énormes occasions.
Mais sans un excellent Aboubakar Dosso dans les buts marseillais, Le Mans aurait peut-être même pu marquer plusieurs buts. C'est donc logique de voir pour l'instant un score de parité, un partout, pour nous offrir vraiment 25 dernières minutes sans compter le temps additionnel. Une fin de match, plein de suspense, et on espère avec énormément de rebondissements. Gaël Lafont. Alors il y a eu du changement, on s'interrogeait tout à l'heure, c'est Max Corbon qui est sorti côté marseillais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'événements entre temps. Il y a eu le pénalty manqué de Gabin Bernardo, puis dans la foulée l'égalisation d'Egmen Sarac. On a vu l'entrée de Tajdin Mahdi. Et donc il est rentré en lieu et place du Suisse international, Max Corbon. Et donc sorti, remplacé par Mahdi il y a quelques minutes. Il y a une opportunité énorme avec Gabin Bernardo. Peut-être ! Incroyable ! Gabin Bernardo qui se rattrape de son échec sur pénalty. Il profite des errements défensifs pour permettre au Mans de passer devant. Le Mans 2, Marseille 1. C'est la folie ici dans ce stade Marie-Marvin. Incroyable retour de Mans de situation. Vous allez le voir, là, la petite erreur de communication. Les Marseillais qui se font un petit peu piéger. Le contre-favorable pour Gabin Bernardo qui a l'opportunité de servir Junior Galilée Nsumbi. Mais finalement, il préfère y aller tout seul. Il fait parler sa technique, Gabin Bernardo. On le sait qu'il est très technique. On le sait qu'il est très volontaire. Mais il aurait pu être entaché mentalement après son échec. Mais non, il a été soutenu par ses coéquipiers. Et c'est lui qui permet au Mans de mener 2-1. Quel scénario de fou dans cette deuxième période. Le Mans renverse tout. Ah, c'est un joueur décisif, Gabin Bernardo, on l'avait dit. Il avait été double buteur à Saint-Omer lors du 16e. Déjà double buteur également lors du 32e. À nouveau buteur, c'est son 5e but lors des 3 derniers matchs de cette Coupe Gambardella. Ah, on a été déçu pour lui hein, quand on l'a vu s'écrouler par terre après son échec. Et attention parce que là, ça devient explosif avec Junior Khalil Nsumbi. À nouveau en phase offensive, les Marseillais sont perdus. Sous la pluie, au Mans, Marseille boit la tasse en ce moment. Et tout en maîtrise en première période, les Marseillais ne savent plus comment évoluer face au Mans. Cette équipe mancelle déchaînée, partie peut-être pour signer un exploit retentissant dans ces huitièmes de finale de la Coupe Gambardella. Cette affiche alléchante sur le papier tient vraiment toutes ses promesses. Et c'est loin d'être terminé. Il reste encore plus de 20 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Et Marseille va devoir montrer toutes ses qualités. Ah, il est à la lutte et cette fois-ci c'est les Manceaux qui gagnent les duels. C'est Matumona face à Abdallah. Et Bernardo qui tient le ballon pour servir Andy Junior Khalil Nsumbi, la frappe dans les gants d'Aboubakar Dosso. Et nouvel avertissement, dégagement rapide sur Abdallah. Ça va à 1000 à l'heure, ça va à 1000 à l'heure sur cette pelouse de Marie-Marvin. Abdallah cerné avec Lenny Cormier, fils de Arnaud Cormier, vainqueur en tant qu'entraîneur de la Coupe Gambardella en 2004. Mahdi, le seul entrant pour l'instant dans ce match, le numéro 12 marseillais qui sert Bakola. Bakola peut-être pour trouver une solution. Et ce sera directement dans les gants de Louis Mesrette.
Alexis Percheron l'avait dit, hein, qu'ils n'allaient pas déjouer, qu'ils allaient tenter de garder leur identité, leur ADN. Depuis le début de la saison, ils proposent un jeu alléchant, un jeu offensif. Et face à Marseille, il avait annoncé qu'il voulait garder cette identité de jeu, garder cette mentalité, marquer des buts et après évidemment s'adapter en défense face aux atouts majeurs marseillais. Mais pour l'instant, deuxième période, les talents marseillais sont inoffensifs. Le Mans qui réalise vraiment une partition sans fausse note dans cette deuxième période. Et ce pénalty aurait pu entacher vraiment l'activité mancelle. Mais le mental est bien là. Ils ont préparé cette rencontre toute la semaine. Ils étaient un groupe de 22 à l'entraînement tous les jours. Alexis Percheron a décidé de concerner un maximum de joueurs. 5 n'ont pas été retenus. Il a fallu faire des choix. Et pour l'instant, ces choix sont payants. Alexis Percheron, parce que Le Mans mène au score face à Marseille. Mais attention, parce qu'on sait le talent marseillais. Ils ne sont pas non plus leaders du championnat des moins de 19 ans ou des moins de 17 ans au hasard. C'est une équipe très talentueuse. Mais d'abord, avant ce coup franc, on va procéder à un nouveau changement avec la sortie du buteur marseillais, Enzo Sternal, sous les sifflets du public manceau. Enzo Sternal, l'international français des moins de 17 ans, qui donc sort à 20 minutes de terme. Et l'entrée de Kélian Béazaf. Kélian Béazaf, titulaire lors du match contre le Paris Saint-Germain. Lui qui avait offert le tir au but de la qualification contre le PSG. Entre en jeu à la place de Sternal. Deuxième changement pour l'entraîneur marseillais Christian Bracconi. Attention, il est sous pression. Gaël Lafont, pressé par Andy Junior Kadidi Nsumbi. Pas de changement hein, du côté du Mans. Pour l'instant, Alexis Percheron fait confiance aux 11 joueurs qui ont débuté la partie. On ne procède pas à d'ajustement. Pour l'instant, ça fonctionne et effectivement, illustration et confirmation au score. Vous voyez le Mans qui mène désormais 2-1. Mené 1-0 après le quart d'heure de jeu, après le but d'Enzo Sternal qui vient de sortir il y a quelques instants. Le Mans a su retourner la situation en l'espace de 5 minutes grâce à des buts, des réalisations d'Egmen Sarac puis de Gabin Bernardo. Le Mans qui mène depuis la 67e minute maintenant. Il y a 5 petites minutes exactement. Allez, on repasse par le gardien Aboubacar Dosso hein, qui ne peut pas vraiment se reprocher grand chose sur les deux buts du Mans. Le ballon sera en faveur des Manceaux et la remise en jeu dans quelques instants. Noah Boissé, ça s'active sur le banc. On va faire entrer du sang frais du côté du Mans dans quelques instants. Ah, les Marseillais qui joueront leur prochain match en championnat contre Saint-Étienne le dimanche prochain. Allez, bien fait ça, cette fin de corps de Jérémy Mathieu Mona Makanga. Ouais, malheureusement, petite mésentente. Et le ballon récupéré par les Marseillais très haut.
évidemment Daryl Bacola pour essayer de mettre la pression. Il s'appuie avec Dobenfeld. Ouais, le centre. Avec désormais un Kylian Abdallah recentré en attaquant de pointe. Et l'entrée également, on ne l'avait pas vu, de Kylian le Pironek. Au milieu de terrain. À la place de Yanis Selami, a priori. On va regarder ça avec précision. Il n'y a pas de faute. Gabin Bernardo. Et la contre-attaque possible. Ah, il est servi. Ayoub Stiway, lui aussi, vient de rentrer en jeu. Et il va obtenir un corner. Ayoub Stiway, seulement 16 ans. Qui est arrivé cet été du club d'Alençon. Gros travailleur, intelligent et capable de faire des différences en 1 contre 1. Alors, il va falloir faire le point sur les entrées en jeu. Nouveau changement du côté du Mans. Et la sortie du buteur Egmen Sarak sous l'ovation du public du Mans, du stade Marie-Marvin. L'auteur de l'égalisation à la 62e minute. Yannick Ballard va rentrer. Et Gabin Bernardo, l'autre buteur également, va sortir. Remplacé par Robin Garnier. On change les atouts offensifs et on fait rentrer des joueurs qui évoluent un petit peu plus bas sur le terrain. Notamment avec Robin Garnier, le milieu de terrain. Le gaucher à la mentalité collective, joueur très altruiste, important pour tenter de gérer cette avance. On a décidé d'être un petit peu plus prudent désormais du côté d'Alexis Percheron en mettant des éléments nouveaux, un peu moins offensifs, qui étaient Gabin Bernardo et Egmen Sarak, les deux buteurs de cette rencontre. Les deux buteurs qui permettent pour l'instant au Mans de les envoyer en quart de finale de la Coupe Gambardella. Édition 2023-2024. Kylian Le Pironek. Ouais, qui est rentré à la place a priori de Yanis Selami. Au milieu de terrain défensif. Oui, Kylian Le Pironek qui est arrivé à Marseille cet été. Il a rejoint l'OM par passion. Lui qui était l'année dernière du côté d'Amiens, finaliste malheureux du championnat national des moins de 17 ans, battu par l'Olympique de Marseille en finale. Joueur qui fait preuve d'une grande maturité. Ce sera important pour l'OM dans ces dernières minutes pour tenter d'égaliser, essayer d'arracher la séance de tir au but. Ah, c'est bien fait avec Ayoub Stiway notamment. On le retrouve, Ayoub Stiway, tenter de servir Robin Garnier. Allez, on ne se pose pas de questions, on dégage fort du côté de Noah Boissé. Le ballon toujours dans les pieds
marseillais. Attention avec cette perte de balle à nouveau. Garnier avec Stewart. Ouais, nouveau ballon perdu cette fois-ci du côté des Manceaux. Ouais, on se plaint d'une faute mais il n'y a rien. Daryl Bacola peut-être pour servir son coéquipier. La frappe croisée. Et le but signé Kélian Bézard. Il est rentré il y a quelques minutes. Et c'est lui qui permet à son équipe à l'Olympique de Marseille d'égaliser et de revenir à hauteur. La partie est totalement relancée grâce à Kélian Bézard, buteur. C'est lui, Kélian Bézard, qui avait offert le tir au but vainqueur face au Paris Saint-Germain. Et il est décisif quelques minutes seulement après son entrée en jeu, 10 minutes environ après qu'il ait foulé cette pelouse Marie-Marvin. Et le voilà décisif, le natif de Marseille, de partout, la partie totalement relancée désormais. Ouais, bien servi hein, par Daryl Bacola. Ah, il y a eu une perte de balle un petit peu bête d'ailleurs, celui qui a perdu le ballon. Ah, c'est Noah Boissé, vous voyez, victime de crampes, a priori. En tout cas, il boite, Noah Boissé. Ah, Lenny Cormier. Oui, je disais Noah Boissé, mais c'est Lenny Cormier, pardon. Et l'entrée de Noam Tomera Fleury. Et attention, Abdallah. Ouais, ça pourrait aller vite maintenant du côté marseillais. Il va falloir être vigilant. Et Noah Boissé qui dégage loin pour essayer de trouver Ayoub Stewart en pointe de l'attaque. Daryl Bacola. Ouais, on sent que la dynamique désormais a changé à nouveau et que l'ascendant psychologique est peut-être reparti dans le camp de l'Olympique de Marseille. Le corner, alors on ne compte plus les corners, mais il y en a eu un grand nombre pour l'Olympique de Marseille, tiré à nouveau par Gaël Lafond. Le long ballon, et une nouvelle fois impeccable, Louis Mezrette. Ah, on peut être quasiment certain que si on arrivait à la séance de tir au but, les gardiens, que ce soit Louis Mezrette ou Aboubaka Dosso, vont avoir un rôle prépondérant. Tellement aujourd'hui ils sont vraiment bons, imposants dans chacun de leurs buts. Mais pour cela il faut tenir du côté du Mans parce que Marseille, grâce à ce but, il y a quelques instants de Kélian Bézard. Semble à nouveau dans une très très bonne spirale, dans une très bonne dynamique dans ces dernières minutes. Ah, Kélian Bézard, aujourd'hui latéral droit, joueur excentré, anciennement défenseur, et qui aime les espaces. Il l'a bien pris, l'espace bien servi par Daryl Bacola, le natif de Marseille. Ah, et c'est le neveu de Toifilou Maoulida qui va tirer ce coup franc. Kélian Abdallah, le gaucher. Ouais, la frappe directe. Bien lu la trajectoire par Louis Mezrette. Ouais, il a surpris un petit peu tout le monde. Kélian Abdallah.
On imaginait peut-être, vu la distance de ce coup franc par rapport au but de Louis Mezeret, plutôt un centre. Mais on a opté pour le tir direct. On aurait pu surprendre le gardien Manceau parce qu'il y avait de la puissance. Il n'a manqué finalement que la précision. Et attention, il va falloir dans les deux camps, bien évidemment, rester vigilant. Parce que la moindre erreur pourrait coûter cher. Noah Boissé au sol. Ouais, tout à l'heure que j'ai confondu malheureusement avec Lenny Cormier de loin. Mais c'est vrai qu'ils ont tous les deux un profil ressemblant. Allez, on rentre dans les dernières minutes de ce match. Il y a toujours une très très grosse ambiance pour soutenir majoritairement évidemment l'équipe du MUC 72 Le Mans. Mais il y a des supporters, on les a vus, on les a entendus soutenir les Marseillais. Attention, peut-être à cette incursion et la bonne défense, le bon retour et ce tacle précieux d'Anis Doubal pour venir écarter le danger. Le capitaine Paulo Trigano au sol. L'enfant du club qui a pris un petit coup. Gaël Lafond qui échange avec l'arbitre de la rencontre. Monsieur Gabriel Chiaffit est là. Mais il y aura bien un corner pour Le Mans. Jouer court avec Lucas Tesson et Tomera Fleury. La tête, la tête, la tête fervantée, surtout salvatrice. La tête signée Noah Boissé, incroyable scénario, incroyable dénouement peut-être de cette rencontre avec le troisième but du Mans. Signé Noah Boissé, il faudra revoir évidemment ce qui s'est passé sur ce corner joué rapidement en deux temps entre Noam Tomea Fouri et Lucas Tesson. Mais une chose est sûre, Le Mans vient de marquer un troisième but, signé Noah Boissé. Le Mans met 3-2 à quelques minutes du terme, tout proche d'une qualification en quart de finale de la Coupe Gambardella. Ah, quelle erreur! Quelle erreur d'Aboubacar Dosso, malheureusement, qui avait été impeccable jusqu'à présent. Et sur ce centre de Lucas Tesson, le capitaine, il voit ce ballon s'échapper de ses gants, Aboubacar Dosso, pour remettre sur la tête de Noah Boissé. Alors qu'un supporter un peu trop joyeux vient d'entrer sur la pelouse. Attention à ne pas gâcher l'issue de cette rencontre. Parce que là, Le Mans vient de faire un travail énorme. Évidemment, la joie, mais il ne faut pas perturber le déroulement de la rencontre. Mais incroyable. Incroyable scénario à nouveau. Et Marseille à nouveau dos au mur, qui n'a plus beaucoup de minutes pour tenter d'arracher une séance de tir au but. Une minute dans le temps réglementaire et quelques minutes dans le temps additionnel. Voilà la mission pour Marseille, pour tenter d'éviter le camouflet, l'élimination en huitième de finale face au Mans. Le Mans qui mène 3 buts à 2 grâce à un but sur corner il y a quelques instants. Et Le Mans qui va être galvanisé évidemment par le scénario et la ferveur de ce match maintenant.
Et va y avoir du temps. Parce que le speaker vient d'annoncer 6 minutes. 6 minutes de temps additionnel dans cette deuxième période. Et quel but de Noah Bouassé. Au bon endroit, au bon moment, grâce à ce ballon relâché d'Abou Bakka Dosso. Ah, ça, c'est terrible parce que ça vient vraiment ternir. Oh, attention, attention à nouveau à Abou Bakka Dosso là, qui sort de manière un peu approximative. Là, faut pas perdre le fil de son match. Le gardien marseillais, parce qu'il avait réalisé une superbe rencontre avant cette petite erreur qui coûte cher, cette erreur. Et il reste 5 minutes. Daryl Bakola, peut-être. Pour le centre en retrait, ah, le bon retour précieux et le dégagement de Tomera Fleury derrière. Le capitaine Paolo Trigano sera sur le ballon. Ouais, ça nous promet... 5 dernières minutes assez exceptionnelles. 3-2. Et Le Mans qui donne tout. Et Noah Bouassé, là, le buteur, le dernier buteur du Mans, le numéro 2, victime de crampes. Et ils seront allés jusqu'au bout. Et ils n'auront pas calculé les manceaux. On le rappelle, le scénario, mené 1-0. À la pause, ils ont réussi à revenir malgré un pénalty manqué. Ils ont mené 2-1, puis Marseille a égalisé avant, il y a quelques instants. Vous l'avez vu, le but de Noah Bouassé de retour sur son côté droit, le titulaire indiscutable de cette équipe, sur son aile droite. Blessé au tour précédent, il était absent contre Saint-Omer et il est de retour. Lui qui est marseillais de cœur, la grosse action. Et le manqué énorme, le loupé de Tadjidin Madi. Devant le but qui ne parvient pas à toucher ce ballon. Et là, l'occasion, elle était incroyable pour Marseille d'égaliser. Et pour l'instant, la réussite est du côté du Mans. Et forcément, ça doit faire quelque chose d'assez incroyable pour Noah Bouassé au moment où il a marqué, lui qui... aime le club de Marseille, mais qui joue pour Le Mans, cette équipe du Mans, on l'a dit, à 90% sartoise. Des joueurs qui se connaissent depuis longtemps, qui vont à l'école ensemble. Super osmose dans cette équipe, super état d'esprit. Et pour l'instant, Alexis Percheron remplit avec succès le défi qu'on lui a proposé en huitième de finale, affronter l'Olympique de Marseille. Et on va chercher le soutien du public avec Yannick Ebalard, entré en jeu tout à l'heure, le latéral gauche de 17 ans. 2 minutes 30 encore, avant peut-être la célébration et le soulagement d'un exploit retentissant, l'élimination éventuelle de l'Olympique de Marseille. Carton jaune pour Andy Junior Kadidi Soumbi. Faute d'anti-jeu. Et ça va faire un coup franc intéressant pour les Olympiens. Peut-être la dernière occasion. Il va falloir être précis pour Gaël Lafont. Évidemment, il y a des contacts. Ça se tend entre Marseillais et Manso.
Alors l'arbitre assistant est allé voir son homologue au centre. Alors un coup de coude. On fait signe d'un coup de coude. Alors qui a proféné un coup de coude? Et carton rouge. Carton rouge pour Ryan Urobangna. Carton rouge direct pour un coup de coude a priori. Et Marseille qui va terminer en infériorité numérique pour ses dernières secondes. Ouais, frustrés les Marseillais, les hommes de Christian Bracconi. Le rêve d'une deuxième Coupe Gambardella ne sera pas pour cette saison. Ils vont devoir patienter. Qui n'ont plus marqué et gagné la Coupe Gambardella depuis 79, les Olympiens. Mais on ne sait jamais. Parce qu'ils ont un coup franc à tirer, un coup franc à jouer. Avec, pour le frapper, Gaël Lafont. Et son pied gauche. Le centre qui va trouver une tête mancelle. À nouveau, on cherche Gaël Lafont. Le petit crochet, ça fonctionne. Le centre pour la tête. Et quel arrêt de maîtrise, c'est pas terminé. Et l'égalisation au bout du temps additionnel. L'égalisation inimaginable. Mais ils l'ont fait les Marseillais. Paolo Trigano, le capitaine, qui permet à son équipe de se relancer et de s'offrir dans quelques instants une séance de tirs au but. C'est un match fou, c'est un match qu'on ne pouvait pas écrire à l'avance, c'est un match incroyable et c'est grâce au Mans, c'est grâce à Marseille, 3 partout. But de Paolo Trigano. Lui, l'enfant du club, lui qui est à l'OM depuis l'âge de 4 ans, le porte-drapeau de cette équipe qui apporte cette volonté, cette niaque quand il est sur le terrain. C'est lui, alors qu'ils étaient en infériorité numérique juste avant ce coup franc, Paolo Trigano, le capitaine, qui permet à l'OM d'arracher la séance de tir au but. Parce qu'on ne voit pas comment maintenant Le Mans va pouvoir marquer un quatrième but. Et la qualification va se jouer. Après une séance de tir au but. Ah, les deux équipes qui donnent tout, regardez. Des joueurs sont au sol. Il y a de la crampe du côté de Gaël Lafont. Auteur du centre décisif pour Paolo Trigano. Et pourtant, il y a eu une parade incroyable de Louis Mesrette. Et la joie des supporters marseillais venus ici au Mans. On était loin d'imaginer Marseille dans les derniers instants puisse égaliser vu la configuration de match. Messi, c'est Trigano qui a marqué. Incroyable, incroyable scénario. Mais attention parce que tout est possible dans une rencontre folle, dans une rencontre pleine d'incertitudes. Trigano pour écarter le danger sur ce centre de Noah Boissé, l'auteur du troisième but du Mans. Il y aura un corner. 9 minutes de temps additionnel déjà. Et peut-être l'ultime occasion dans cette rencontre avant une potentielle séance de tir au but. Tomera Fleury au ballon. Ah, c'est bien tiré. La reprise de Yannick Ballard. Et on en restera là. 3 buts partout au terme du temps réglementaire dans un match totalement fou. 5 buts dans ces 45 dernières minutes. Il y avait 1-0 pour l'OM. Le Mans a réussi à mener 2-1. L'OM a égalisé à 2 partout. Le Mans, dans les dernières minutes, a réussi à reprendre l'avantage. Vous le voyez grâce à Noah Boissé. Et puis, dans les ultimes secondes, le capitaine marseillais Paolo Trigano qui parvient à arracher la séance de tir au but. Et maintenant, au gardien notamment de faire la différence.
Louis Mezret du côté du Mans et Aboubaka Dosso pour faire la décision du côté de Marseille. Alors qu'il y a un jeune supporter qui est arrivé sur la pelouse à nouveau. Évacué dans le calme, évidemment. Mais quel scénario! Ah, ça ne pouvait pas se conclure autrement finalement. Parce que les deux équipes vraiment ont tout donné sur le terrain. C'est finalement assez logique de voir les deux équipes se disputer une séance de tir au but, une qualification pour les quarts de finale, on rappelle. Allez, on revoit les buts ensemble. Le but d'abord d'Enzo Sternal à la 15e minute sur penalty. L'égalisation ensuite en deuxième période. Degmen Sarak grâce à un très très bon service de Dayoub Mejri. Et puis derrière ce superbe numéro de soliste signé Gerben Bernardo qui donne l'avantage au Mans 2-1 après quelques minutes plus tôt avoir échoué sur penalty. Quelques minutes après être entré sur la pelouse, Kélian Bézaf à la 81e minute lui permet à égaliser. Et puis là derrière on pense que le Mans a fait le plus dur, puisque Noah Boissé, le latéral droit, profite de l'erreur du gardien Dosso pour marquer le troisième but. Et puis on a en héros Paolo Trigano, le capitaine, qui se jette après un arrêt réflexe de Louis Mezret pour égaliser vraiment dans les ultimes instants. 3-3. Et donc la décision se fera au tir au but. Marseille est déjà passé par cette configuration de match lors du tour précédent, opposé au Paris Saint-Germain. Marseille s'était imposé 5-4 lors de la séance de tir au but. C'était Kélian Bézaaf qui avait conclu la séance et offert au Paris Saint-Germain, à l'Olympique de Marseille, une victoire sur le Paris Saint-Germain. Aboubaka Dosso, le gardien marseillais, lui avait arrêté le troisième tir parisien. On va voir si le scénario se répète pour l'Olympique de Marseille. On va voir également si les gardiens vont avoir un rôle primordial dans cette séance, si ce sont eux qui vont faire tourner la décision en leur faveur, que ce soit pour Le Mans ou que ce soit pour Marseille. En tout cas, on imagine il y aura vraiment énormément de joie, énormément de fierté de s'être qualifié, que ce soit pour Le Mans ou Marseille. Et puis dans l'autre camp, pour le camp du battu, il y aura forcément beaucoup de déceptions. Peut-être plus pour Le Mans qui a cru avant cette séance en son exploit, mais qui peut toujours réaliser l'exploit. Hein. On est loin d'avoir renoncer du côté sartois, évidemment. Mais voilà, il va falloir passer par un exercice toujours délicat. L'exercice de la séance des tirs au but. Et pour lancer cette équipe du Mans, le premier tireur s'appelle Lucas Tesson, c'est le capitaine. C'est lui qui va tenter d'amorcer la dynamique. La bonne dynamique, on espère, du côté de Le Mans. Mais attention, parce que en face, il y a Aboubaka Dosso, gardien qui prend de l'espace dans le but. Et ça passe pour Lucas Tesson. Bien tiré, parce que Dosso avait plongé du bon côté. 1-0 pour Le Mans. Gaël Lafont. Sont les joueurs les plus adroits sur coup de pied arrêté, les plus techniques au tir, qui
ont décidé de prendre les choses en main. Lucas Tesson, capitaine. Gaël Lafond, qui a tiré beaucoup de corners, principalement tous les corners. Et puis les coups francs. Opposé à Louis Mezrette. Premier tir au but marseillais pour tenter d'égaliser. Et c'est arrêté! C'est arrêté par Louis Mezrette! Gaël Lafond qui échoue grâce à ce superbe arrêt de Louis Mezrette, parce que Gaël Lafond avait choisi un côté, mais Louis Mezrette a choisi le bon. 1-0 pour Le Mans après les deux premiers tireurs. Et déjà, le break pour Le Mans. Alors la séance est encore longue, mais voilà un avantage déjà. De quoi permettre aux coéquipiers de Louis Mezrette et de Lucas Tesson de tirer peut-être avec un petit peu plus de relâchement, avec un petit peu moins de pression. Thibaut Legrou. Ouais, tranquille. Qui ajuste parfaitement Aboubaka Dosso. 2-0 pour les Sartois. Kélian Le Pironec. Tenter de réduire l'écart avec son pied droit. Lui qui évoluait à Amiens la saison dernière et qui a rejoint l'Olympique de Marseille par passion. Oh, n'importe quoi ce qu'il a fait, Kélian Le Pironec, avec cette tentative avec ce tir piqué, malheureusement. Ah, il s'est complètement troué. La tentative de Panenka complètement manquée pour Kélian Le Pironec. Et là, c'est quasiment une balle de match déjà qu'ils offrent au Mans si Le Mans parvenait à marquer. Il y aurait 3-0, c'est le cas. Parfait. Signé Robin Garnier. Et désormais, Marseille n'a plus le droit à l'erreur. Marseille ne peut plus commettre la moindre erreur. C'est simple. Marseille doit marquer ses trois derniers tirs au but et Le Mans ne doit pas marquer ses deux derniers tirs au but. Si Marseille manque un de ses tirs au but ou si Le Mans marque derrière au moins un de ses deux tirs au but, c'est terminé. Le Mans sera qualifié en quart de finale. Daryl Bacola, l'international français des moins de 17 ans, dans une position délicate. Il faut absolument marquer pour permettre à Marseille d'espérer. Il prend beaucoup d'élan, Daryl Bacola. Mais c'est terminé, non! Il l'avait touché, on a pensé un instant que Louis Mezrette avait arrêté ce tir de Bacola. Et il s'en sort bien, le Marseillais, parce qu'il n'avait pas forcément bien tiré son tir au but, mais la finalité est malgré tout positive. Il a marqué, c'est le plus important. 3-1 pour Le Mans. Noam Tomera Fleury a le ballon de la gagne, le gaucher. Lui qui est parfois frustrant en match, qui n'applique pas forcément ce qu'il sait faire à l'entraînement. C'est lui qui peut envoyer Le Mans en quart de finale. Ah, malheureusement, c'est manqué pour Noam Tomera Fleury. On le disait, parfois frustrant. Une nouvelle fois, malheureusement, il l'est. Terrible, terrible scénario pour Tomera Fleury. Mais ils auront encore une occasion derrière Le Mans pour se qualifier. Sauf si
Kylian Abdallah, le neveu de Toifilou Maolida. Ah non, c'est pas Kylian Abdallah, pardon. C'est Tajidin Madi qui va aller prendre le ballon. Joueur technique qui est monté vraiment au fil des matchs toute cette saison, qui monte en puissance, et c'est lui qui va avoir la lourde tâche de réduire l'écart et de ramener Marseille à 3-2 dans cette séance de tir au but. Ouais, bien tiré, parfait, qui ne laisse aucune chance à Louis Mesret. Tajidin Madi. Alors on l'a dit il y a quelques instants, Le Mans a loupé un premier joker, a grillé un joker en tout cas, avec Noam Tomera Fleury et cette frappe tirée largement au-dessus du but. Et pour essayer d'emmener cette équipe du Mans en quart de finale, Jérémy Mathieu Mona Makanga, du haut de ses 17 ans, lui qui s'entraîne régulièrement avec la réserve et qui avait déclaré avant ce match: vivre ce moment avec mes potes avec qui je joue depuis tout petit, c'est comme un rêve. Et le rêve peut peut-être se transformer en réalité dans quelques instants. Ah, c'est terrible! À nouveau, les morceaux qui craquent! Qui craquent au moment de conclure grâce à ce bel arrêt d'Aboubakar Dosso qui a plongé du bon côté. Alors ce n'est pas forcément très bien tiré cette fois de la part de Jérémy Mathieu Monac Makanga. Mais on n'espère pas que ce rêve se transforme finalement en cauchemar. Et cette fois c'est bien le neveu de Toifilou Maolida qui va être au ballon. Kylian Abdallah qui va peut-être permettre à Marseille d'égaliser et voir à nouveau cette séance de tir au but se prolonger. Mais il faut d'abord marquer pour Abdallah, le gaucher de 17 ans. Si Louis Mesret arrête ce pénalty, c'est terminé. Mais c'est bien dedans. Abdallah qui relance l'OM. Marseille qui était mené 3-0 dans cette séance de tir au but. Et Marseille qui parvient à revenir de l'enfer, 3 partout. C'est un match, mais c'est un match fou. C'est un scénario où même des scénaristes d'Hollywood n'auraient pas pu écrire. C'est un match incroyable. Qui pour s'imposer? Qui pour gagner? Ah, c'est compliqué. Parce que les deux équipes ont leur chance. Le Mans a grillé deux jokers. Allez, c'est tiré et c'est bien fait. Avec beaucoup d'autorité. Signé Andy Junior, Kadil Nsumbi qui relance Le Mans. Et qui met à nouveau la pression sur Marseille. 4-3. Désormais, on n'a plus le droit à l'erreur. Si Marseille manque ce tir au but, Le Mans sera qualifié en quart de finale. Si Marseille égalise, si Marseille marque, on continuera. Et pour tirer, Anis Doubal, le latéral gauche de Marseille. Lui qui est né dans cette ville. Lui qui a Marseille dans le sang. Le gaucher face à Louis Mesret. Doubal. Ouais, super, pleine lucarne. Ah, il peut souffler, soulager. Parce qu'il a pris des risques. Mais c'est payant. Et 4 partout. Pour l'instant, les joueurs n'ont pas cédé à la pression de la mort subite. L'auteur du troisième but Manceau, l'auteur du but qu'on a longtemps pensé qualificatif pour les quarts de finale, Noah Boissé, lui qui porte Marseille dans son cœur, le titulaire indiscutable sur le côté droit de cette équipe, tout en maîtrise face à Aboubakar Dosso. Ah, il a fait preuve d'énorme maturité sur ce tir au but. Lui qui évoluait l'année dernière avec les U19 nationaux. Absent lors du 16e de finale contre Saint-Omer et qui fait vraiment un retour gagnant avec un but dans le jeu et un but transformé, un tir au but transformé. 5-4. À nouveau Marseille sous pression. Kylian Bezaf, auteur d'un but lui aussi, de l'égalisation. Du 2 partout.
lui aussi natif de Marseille. À l'image d'Anis Douba, il y a quelques instants, qui a réussi à transformer son tir au but. C'est lui qui avait offert Kylian Bézaf le tir au but vainqueur lors du tour précédent contre le Paris Saint-Germain, lors du Classico. Alors, que s'est-il passé dans le rond central ? Et là, les secondes peuvent paraître comme une éternité pour Kylian Bézaaf. Concentré. L'ailier droit. Ouais, ça passe, tranquille. Tout en maîtrise. Et il fallait avoir les nerfs solides. 5 partout. Le point serré, Kylian Bézaaf. Le regard vers son camp, vers son banc, vers son entraîneur, Christian Bracconi. C'est une séance de tir au but interminable. C'était un après-midi incroyable ici au stade Marie-Marvin devant plus de 10 000 spectateurs. Un succès populaire en ce dimanche après-midi. Oh, l'arrêt! L'arrêt d'Aboubacar Dosso! Impeccable! Et il rattrapera peut-être son erreur sur le troisième but. Et la déception, évidemment, du côté Manso. Et peut-être pour offrir la qualification au bout du suspense, au bout de l'enfer, celui qui a arraché la séance de tir au but dans les derniers instants, le capitaine de cette équipe marseillaise, Paolo Trigano. Capitaine en Coupe Gambardella, l'enfant du club, lui qui évolue à Marseille depuis l'âge de 4 ans. Lui qui est un fervent supporter du club. Et qui voit son ballon finalement rentrer au fond des buts. Et qui permet à Marseille de se qualifier pour les quarts de finale. Et voir leur aventure en Coupe Gambardella se prolonger. 3 partout, 6-5 au terme d'un match et d'une séance de tir au but. Incroyable, pleine de suspense, folle en rebondissement. Marseille peut savourer avec ses supporters. Marseille est qualifié. Marseille est au rendez-vous des quarts de finale. Et oui, on l'imagine, la déception pour les joueurs d'Alexis Percheron qui vient relever ses hommes. Alexis Percheron, ils auront tout bien fait, ils auront craqué dans les toutes dernières secondes du temps additionnel. Mais quel match, ils pourront être fiers d'eux, les Manceaux, pour les 20 ans de leur unique victoire en Coupe Gambardella en 2004. Ils ont failli réaliser un exploit retentissant, mais c'est finalement Marseille qui s'en sort. Marseille qui est venu ici en terre sartoise avec beaucoup d'humilité parce qu'ils savaient qu'en face d'eux, il y aurait potentiellement une équipe forte, une équipe qui pourrait les faire tomber dans un piège. Ils ont préparé leur match, ils sont passés tel le phénix qui renaît de ses cendres. Marseille se qualifie en quart de finale, Marseille poursuit l'aventure, mais bravo Le Mans. Parce que Le Mans a réalisé un match extraordinaire, un match incroyable dans une ambiance folle, digne d'un match de Ligue 2. Le Mans qui peut être déçu mais qui peut garder la tête haute. Le Mans qui s'incline au tir au but après avoir fait 3 partout dans le temps réglementaire. Ah, c'est des images qu'on aime voir. La célébration, la communion entre une équipe, ces jeunes de moins de 18 ans et ses supporters. Ils sont nombreux, évidemment les pleurs pour certains d'entre eux, notamment pour Thibaut Legroux. Mais voilà, c'est aussi l'apprentissage d'un haut niveau qu'ils ne connaissaient pas, les Manceaux, qui évoluent en division inférieure et qui espèrent retrouver l'élite nationale
des U19 l'année prochaine. C'est l'objectif pour Alexis Percheron. Ils auront vécu une épopée incroyable qui ont commencé la Coupe Gambardella depuis le mois de septembre. C'était leur 9e match. Leur 9e match, contrairement à Marseille qui jouait seulement son 4e match en Coupe Gambardella. Le Mans qui aura fait trembler Marseille jusqu'au bout. Mais Marseille, grâce à son capitaine Paolo Trigano notamment, voilà le but qui permet, le tir au but qui permet la qualification. Et Trigano qui a eu de la réussite, hein, vous le voyez, parce que Louis Mesrat avait plongé du bon côté. On a cru un instant que le gardien Manceau avait réussi à arrêter ce tir au but. Mais finalement, la réussite aura été dans le camp marseillais. Mais bravo au Mans. Bravo au Mans parce qu'ils ont été une équipe redoutable. Et Marseille peut fêter comme il se doit cette qualification. Marseille sera au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe Gambardella. Ça aurait été un spectacle incroyable sur FFF TV entre Marseille et Le Mans. Le Mans à domicile qui s'incline donc après le temps réglementaire, 3 buts partout, 6-5. Le Mans qui va saluer ses supporters, ils peuvent saluer et ils vont recevoir l'ovation. Mériter une ovation des supporters parce qu'il y a eu du monde, plus de 10 000 spectateurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Marseille qui poursuit son parcours, son beau parcours dans cette Coupe Gambardella au rendez-vous des quarts de finale. Le Mans qui s'arrête mais avec les honneurs. Et rendez-vous donc pour les quarts de finale, prochain tour donc de cette Coupe Gambardella édition 2023-2024. Et bon après-midi sur FFF TV. Salut à tous.